Good morgen, allez, Iden, Nessus, aujourd'hui, le Lunishman, Richard, Ben Fortune, Mazal, Claudie, Ben Fortune, Mazal, Rosette, Bat Mahlouf, Vesultana, et Maurice, Moshe, Ben Mahlouf, Vesultana. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine vidéo, Michel, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Souka, Perek Dalet, Mishnachet Ha'alel, Vasimcha, Shmona, Keitzad. Mais la Metchachaya, Vadam, Behalel, ou Besimcha, Uirvod Yom Tov, Acharon Shel Chag, Kishar, Kol Yemot Echag. Souka Shiva Keitzad, Gamar Melechol, Loyatir, Soukato. Aval Morid et Hakelim, Mina Mincha ou le Maala, Nipenek Vod Yom Tov Acharon Shel Chag. On est dans la suite de la première Mishnah du chapitre. Vous vous rappelez, on avait évoqué toutes les mitzvot de Soukot, entre. On avait le Lava Arava, on expliquait c'est quoi le mot du Lava, c'est quoi l'Arava. Après la deuxième mitzvah de Soukot, c'était dit Halel Vasimcha Shmona. La mitzvah de dire le halel, de chanter le halel, et le devoir de simcha, de se réjouir, on va expliquer exactement c'est quoi se réjouir après, alors ça, c'est un devoir qui nous incombe durant 8 jours, pas que 7 jours de Soukhot, mais pendant les 7 jours de Soukhot, et même à Shmini Atzeret. Et la Mishnah commence à les prendre un après l'autre, en me disant d'abord, halel va simcha, keit shmona, ketzal, comment se présente, qu'est-ce que ça implique la mitzvah de dire le halel et de se réjouir durant 8 jours. Qu'est-ce que tu veux? C'était quoi ton insistance de me dire 8 jours? Keitzad, comment se présente le cas? Enfin, qu'est-ce que ça implique? Mais la med, shechayav adam, behalel besimcha ou birchvod yom tov acharon shel chag, kishar kol yemot echag. Pour t'apprendre que l'homme a le devoir de dire le halel et de se réjouir, et de respecter, et ça implique donc, et de respecter aussi le dernier Birchvod Yom Tov Achron, le dernier jour de Yom Tov, Shel Chag, qui est après de Soukot, en fait, Kishmi Natseret, Kishar Kol Yemot Echag, comme tous les autres jours de la fête, même si la Torah, elle a répété dans plusieurs endroits, vous allez voir, si vous ouvrez la paracha de Behar, alors il y a marqué dans la paracha de Aser Taser, c'est plutôt dans Aser Taser, c'est dans le Shpatim. Non, pas Mishpatim, c'est qui dit ça. Il y a là-bas, il y a marqué Chag HaSukkot, Shevat Yamim, Tachog, on parle là-bas de plusieurs fois de 7 jours. La Mishnah a vu la nécessité de dire attention, c'est le 8e jour, parce que le Veaita Arsamer, ça se rapporte sur Shmini Atzeret, le dernier jour de Yom Tov, que comme tous les autres jours. Qu'est-ce que ça implique la Simcha concrètement? Alors, à l'époque du Beit HaMikdash, il fallait manger des Shlamim à Yom Tov, Shalme Simcha, des Shlamim, de commandes qu'on a fait en guise de Simcha, on mangeait de la viande. Aujourd'hui, la viande qu'on mange, on n'accomplit plus la mitzvah de la Torah de se réjouir à Yom Tov, on l'accomplit quand même avec Ksut Nekia Veyayin Yashan, avec un vêtement propre, un beau vêtement, porter des beaux habits pendant Chol HaMoed aussi, durant tous les 7 jours et durant Yom Tov, porter un bel habit pour marquer qu'on est dans un jour solennel, un jour réjouissant, et aussi de boire du vin, faire des repas avec du vin pour s'égayer. Faites le test, Bezrat Hashem, alors le prochain Chol HaMoed, au lieu de passer des journées comme ça, faites un vrai repas familial, asseyez-vous avec un petit peu de Divre Torah, avec un peu de sourire, avec des chansons, vous allez voir, vous allez passer des fêtes extraordinaires, vous allez accomplir la mitzvah de la Torah, de se réjouir durant les fêtes, c'est comme ça que ça se passe. Il y a ensuite, suite de la Mishnah, Souka Shiva Keitzad. Maintenant on s'intéresse à la troisième partie. Donc, il y avait le Lulava Rava, Shishave Shiva, Halel Vasimcha Shmona. Maintenant, on a Souka Venisuchamaim. La Souka, la misa de la Souka, et la misa du Nisuchamaim, de l'oblation d'eau. On va expliquer ce que c'est, ce sera la prochaine Mishnah. Alors, il faut l'accomplir pendant 7 jours. On s'intéresse d'abord au premier, qui est la Souka Shiva Keitzad. Comment se présente le cas de la Souka durant 7 jours? Gamar Milechol, on a insisté pour te dire, c'est la misa de la Souka, ça dure 7 jours plein. Que Gamar Milechol, si tu as fini de manger, tu as fini ton repas de midi de Oshana Rabba à 11h30, midi, midi et demi du matin, midi et demi, sache que pour le moment, tu Loyatir Soukato, tu ne déferras pas ta Souka, tu la laisseras construite. Parce que toute la journée, c'est encore sa mitzvah. Que si dès que tu as besoin de manger de boire, tu dois rentrer dedans. Tu n'as pas le droit de défaire ta souka. Elle est comme Mouktsé. Tu n'as pas le droit de détruire une souka pendant Soukot. D'accord? Et même mieux que ça,
tu dois la laisser telle quelle, tu la touches pas, jusqu'à aval morid et takelim mina mincha ul mala. Il aura le droit de redescendre les ustensiles depuis l'heure de mincha et au-delà. C'est-à-dire en fait, d'abord, on a déjà évoqué qu'à l'époque, on se faisait toujours la soukha sur les toits. Donc du coup, on montait dans la soukha, on redescendait de la soukha, d'accord? Pour ça, vous allez avoir toujours l'expression redescendre, quand on va dire faire sortir les choses de la soukha. Concrètement, pendant Soukhot, il fallait apporter les plus beaux ustensiles dans la soukha. Les belles chaises, les belles tables, tous les beaux ustensiles de la maison, il fallait les mettre dans la soukha. Et donc, pour pouvoir les redescendre chez toi, tu attends l'approche de Mincha et au-dessus. Donc, on est en train d'approcher Yom Tov. Maintenant, ce soir, ça va être, le soir d'après, ça va être Yom Tov. Tu vas devoir faire ton repas de fête. Tu as besoin de tes ustensiles chez toi. Tu attends qu'arrive l'heure de Mincha. Et à partir de l'heure de Mincha, tu as le droit de prendre maintenant tous tes ustensiles qui sont dans la soukha. Tu les redescends chez toi sans détruire la soukha. Mais là, on voit que tu es en train de préparer Soukhot, donc c'est permis. En Chutz La'aretz, ou de toute façon, on continue à manger dans la soukha, Hashmir Tseret. C'est en vigueur qu'à partir du lendemain, qu'il faudra attendre après le repas pour les redescendre. Ce qui fait entre parenthèses l'objet de quelques discussions et tout ça, mais on ne va pas revenir sur le sujet. Aval, il y a un problème technique. Le 8e jour de Shemini Atzeret en Chutz La'aretz, ils mangent dans la soukha et ils préparent le lendemain, tandis que le lendemain, ça devient Yom Tov de Derabanan. Dans un jour de Oraita, tu n'as pas le droit de préparer un jour de Rabanan. C'est amplement développé dans le poskim. Pour notre pauvre, aval morid et takelim mina mincha ul mala, depuis l'heure de mincha et au-delà, tu pourras redescendre les kelim qui sont de la soukha, les redescendre chez toi dans la maison, en vue du repas de Yom Tov du soir, et penek vod Yom Tov achron shel chag, en vue de l'honneur de Yom Tov, du dernier jour de Yom Tov, de la fête que tu devras célébrer le soir. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, kol tov, selah.